Puis mardi dernier, là, il a trouvé un congé, là. Il était plein. Ils ont balancé un congé plein. Je te jure. Et 4 étages, bing, rempli. Tac, 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 les 4 étaient remplis. Ah oh là 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 là. Je t'explique l'odeur. Oh là 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 là. C'est dingue. C'est dingue. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous venez de faire, là? Vers les points. Voilà, vous avez déposé ce que vous aviez dans le caddie vers les points. Voilà. Oh là là. Ouais, vous ne parlez pas comme ça, oh là là quoi, oh là là. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça, madame. Ça s'appelle un dépôt sauvage. Non, mais je les ai mis vers le point. Non, mais vous les avez peut-être mis sur les points, mais vous voyez, ça c'est des points d'apport volontaire. L'idée c'est de recycler en fait, d'accord? Donc d'un côté c'est le verre, de l'autre côté c'est les emballages. J'ai pas c'est le pas temps, fait. J'ai pas tenté. Non, mais vous n'avez pas le temps. Attendez. Attendez, vous êtes professionnel, c'est bah, ça? Bien sûr, je suis professionnel, et du coup, j'ai un autre service qui m'attend. Eh bien, la prochaine fois, d'accord, vous êtes dans la restauration. Donc, la prochaine fois, je vais prendre les poubelles, et moi, parce que j'aurai pas le temps de travailler, je vais venir et je vais les mettre dans votre restaurant. Et puis, on va voir comment vous allez réagir. Bah non, parce que mon restaurant, c'est pas fait. Mais punaise, mais j'en peux plus! D'accord? C'est un point d'apport volontaire! C'est un point d'apport. Quoi, tout le monde me regarde? Mais parce que j'en peux plus! Enfin, regardez, vous déposez votre merde là! Mais c'est pas une histoire de temps! Vous le prenez le temps, enfin! On se débarrasse pas de ces poubelles comme ça! Incroyable! Incroyable! C'est tout le temps plein, votre truc! Mais c'est tout le temps plein! Alors si c'est plein, c'est pas vrai que c'est tout le temps plein! Vous en avez un qui est à 500 mètres ici, vous en avez un autre qui est à 500 mètres là-bas! Alors vous choisissez un autre point d'apport! D'accord? Et bien ce que vous faites, c'est que vous allez prendre vos ordures. Merci madame, enfin, je sais pas, mais comment vous faites vous? Ah, incroyable. Je sais pas moi. C'est dingue. C'est dingue. Voilà, des fois c'est plein, mais là c'est pas plein. Enfin, c'est pas plein. Est-ce que c'est plein là? Punaise. Vous mettez le verre à côté, ça se pète. Après, il y a des gens qui passent sur le dos, ils prennent leur pneu. Pas où mettre moi, je sais pas où mettre moi. Mais vous vous débrouillez, vous le mettez dans... Je sais pas, mais vous le mettez dans une autre poubelle, enfin... Mais après, j'en fais quoi? Je sais pas, mais j'arrête, mais je suis même à bout d'un... mais c'est pas vrai, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Incroyable. Ouais, bah vous ramassez ce que vous avez mis. C'est déjà bien. Ouais, allez, c'est bon. Je sais pas, moi. Je sais pas, je vous trompe pas, ça, vous en pensez quoi? C'est incroyable. Non? Je sais pas, il y a n'importe quoi dans les poubelles. Ouais, il y a n'importe quoi dans le... Bah, je sais pas, on n'a pas de poser ces poubelles comme ça. Incroyable. Ouais, en plus, je vais me faire engueuler. Voilà. Bon truc, là, ils s'envolent, ils finissent dans le doux. Super! Ouais. Ah bah oui, ah bah alors, ça s'envole pas. Et tu vas prendre toute la responsabilité de mes déchets, hein. Je ne vais pas prendre la responsabilité de mes déchets. Si ça s'envole, c'est pas de ma faute, c'est le vent. C'est pas, hein. C'est le vent. Mais bien sûr que vous allez prendre responsabilité de vos déchets. Enfin. C'est quoi, ça c'est vrai, hein. Non, pourquoi vous avez coupé là? C'est pas pour tout ce que vous prenez, mais tout ce qui était à vous, enfin. Et puis vous avez des déchets, vous avez des poubelles. Vous en faites pas, mais vous n'avez pas des poubelles. Mais les gros trucs, vous les coupez, enfin. Ben, je sais pas moi. Mais je vais vous apprendre votre métier. Moi. Je me fais discuter, mais je me fais engueuler. Pas discuter, ça a fait bon. Ben, elle arrive et puis elle pousse tout par là. Elle pousse tout comme ça en vrac. Mais ouais, mais tous les soirs, c'est comme ça. Ah ben, attendez, c'est mon travail, je vais vous dire. Oh là là, mais c'est une horreur. Après, c'est vraiment pas normal, quoi. Mais c'est carrément pas normal. Il met un bidon d'huile, enfin, on n'est pas des chiens, quoi. Enfin, comment on vit, quoi? Comment vous avez vu en France, là-bas, les enfants du bar? Ouais. Tous les jours, il y en a qui mettent leur poubelle. Ben ouais, ben voilà. Que ça soit tout le monde, que ça soit tous les jours, c'est pas une raison. Moi, j'en peux plus. Ben ouais. Alors qu'il y a une déchetterie. Ah,